tardes en Europa. Les damos la bienvenida al sexto ciclo de psicoanálisis y escritura. Soyez tous bienvenus au sixième cycle de psychanalyse et écriture. Hoy tenemos a Dominique Marin. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Dominique Marin. Quien practica el psicoanálisis en Narbonne. Es miembro de la... Oui, dale, Beatriz. Es miembro de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano y de su Internacional. Il pratique la psychanalyse à Narbonne. Il est membre de l'École de Psychanalyse du Forum de Jean Lacanien et l'International de Forum. AME del Foro de Francia. Il est AME du Forum France. Profesor en el Colegio de Clínica Psicoanalítica. Il est enseignant au Collège de Clinique Psychanalytique. Del Suroeste y psicólogo clínico en un servicio de psiquiatría del Centro Hospitalario de Narbonne. Il est enseignant au Collège Clinique de Psychanalyse du Sud-Ouest. Il est aussi psychologue clinicien dans les services de psychiatrie au Centre Hospitalier de Narbonne. Es autor del libro Beckett con Lacan. Il est l'auteur du livre de Beckett avec Lacan. Escribe en revistas de la EPFCL. Il écrit aussi dans les revues de l'école du Forum de Jean Lacanien. Y contribuye regularmente a la revista Langer Lacanien. Et contribue régulièrement à la revue Langer Lacanien. En particular a través de entrevistas con varios artistas. Notamment à travers des entretiens avec des artistes. Bueno, le damos la bienvenida a Dominique. Hoy tendremos dos conferencias. Et on vous donne donc la bienvenue, Dominique. Aujourd'hui, on aura deux conférences. La primera, el psicoanálisis y la literatura. La première, c'est la psychanalyse et la littérature. La segunda, el psicoanálisis y el escritor. Et la deuxième, le psychanalyste et l'écrivain. Vamos a escuchar entonces la primera conferencia. On vous donne la parole, on va écouter la première conférence, la psychanalyse et la littérature. Merci, jusqu'à présent, j'ai tout compris. Ah bah voilà. Muchas gracias, hasta ahora entendí todo en español. La psychanalyse et la littérature. La psychanalyse et la littérature. Pour aborder le lien entre psychanalyse et littérature, je vais d'abord reprendre quelques éléments que j'ai développés dans mon essai « Beckett avec Lacan » paru en 2021. Para abordar el lazo entre psicoanálisis y literatura, en primer lugar voy a retomar algunos elementos que desarrollé en mi ensayo « Beckett con Lacan » publicado en 2021. Je vais aussi m'appuyer, c'est une phrase qui n'est pas écrite, Monica, je vais aussi m'appuyer sur mes réponses à Betty Milan, un texte qui est paru dans le mensuel cette année. Y me voy a apoyar también en un texto aparecido en el mensual de este año de una entrevista de un encuentro con Betty Milan. Ese es el nombre, Betty Milan. Mon propos est d'apporter une conclusion à laquelle je n'avais pas abouti. Elle est pour moi nouvelle et je la développerai davantage dans la deuxième partie de cette intervention. Mi intención es aportar una conclusión a la que no había llegado. Es nueva para mí y la desarrollaré mucho más en la segunda parte de esta intervención. Vous comprendrez donc que je me sens si reconnaissant envers les organisateurs de cette manifestation d'accueillir mes questions et mes hypothèses.
Ustedes comprenderán entonces que me sienta tan agradecido con los organizadores de este evento para acoger mis preguntas y mis hipótesis. Et à chacun de vous qui prend la peine de m'écouter parler en français, je tiens à vous remercier pour votre patience. Y a cada uno de ustedes que se toman la molestia de escucharme hablar en francés, quiero agradecerles por su paciencia. Je veux commencer avec des choses déjà bien connues. Voy a comenzar con cuestiones que se conocen ya muy bien. La naissance de la psychanalyse. El nacimiento del psicoanálisis. La naissance de la psychanalyse est liée à la littérature. On le constate en lisant la correspondance de Freud à son ami Wilhelm Fliess, 1887-1904. El nacimiento del psicoanálisis está ligado a la literatura. Lo constatamos leyendo la correspondencia de Freud a su amigo Wilhelm Fliess entre 1987-1904. Cette riche période épistolaire inclut la gestation de la première grande œuvre de Freud, l'interprétation des rêves, fruit de ce que son auteur a nommé son auto-analyse. Ese periodo epistolar tan rico incluye la gestación de la primera gran obra de Freud, la interpretación de los sueños, fruto de lo que su autor nombró como su autoanálisis. Autoanalyse qui n'a rien d'auto, comme l'affirme Lacan, car elle s'est déroulée grâce à un lien transférentiel très puissant à son ami Fliess. Autoanálisis que no tiene nada de auto, como lo afirma Lacan, porque se desarrolló gracias a un lazo transferencial muy potente con su amigo Fliess. Il lui ouvre son cœur dans une amitié aveugle, ainsi que son esprit, en lui confiant ses tourments. Il formalise pour lui ses conceptions théoriques. Él le abre su corazón en una amistad ciega, así como su mente, confiándole sus tormentos y formaliza para él sus concepciones teóricas. Au cours des années 1895-1897, Freud élabore la théorie de la séduction, qu'il nomme aussi neurotica. En el transcurso de los años 1895 y 1897, Freud elabora la teoría de la seducción, a la que también nombrará neurótica. Selon cette théorie, les troubles nerveux seraient systématiquement provoqués par des abus ou des tentatives d'abus sexuels tout à fait réels. Según esta teoría, los trastornos nerviosos serían sistemáticamente provocados por abusos o tentativas de abusos sexuales completamente reales. Freud attendait beaucoup de sa découverte, rêvant de gloire, il voulait faire le buzz. Freud esperaba mucho de su descubrimiento, soñando con la gloria, quería hacer el buzz, dar de qué hablar. Or, l'échec de la psychothérapie fondée sur ses bases lui fait perdre tout espoir. Il traverse une période très difficile, terrassée par ce qu'il nomme, par un euphémisme, sa petite hystérie. Ahora bien, el fracaso de la psicoterapia fundada sobre estas bases le hace perder toda esperanza. Atraviesa un periodo muy difícil, abatido por lo que él nombra con un eufemismo. Tel est le grand secret dont il fait la confidence solennelle à son ami le 21 septembre 1897. Je cite, « Je ne crois plus à mes neurotica. » Tal es el gran secreto que le confía solemnemente Freud a su amigo el 21 de septiembre de 1897. Lo cito, « No creo más en mi neurotica. » Cette même lettre annonce la renaissance de son travail sur le rêve qu'il négligeait depuis 2 ans, alors qu'il avait pourtant découvert la signification durant l'été 1895. En esa misma carta, le anuncia el renacimiento de su trabajo sobre el sueño que había descuidado desde hacía 2 años, aunque hubiera descubierto su significación durante el verano de 1895.
Il écrit, je cite, « Dans ce bouleversement de toutes les valeurs, seul le psychologique est resté intact. » Él escribe lo siguiente, lo cito, en esta conmoción de todos los valores, solo lo psicológico ha permanecido incólume. Le rêve est là en toute certitude et le prix que j'attache à mes débuts dans le travail métapsychologique n'a fait qu'augmenter. El sueño se mantiene en pie con toda seguridad y mis esbozos de trabajo metapsicológico no han hecho sino ganar aprecio. Dommage qu'on ne puisse vivre, par exemple, de l'interprétation du rêve. Fin de citation. Sigo con la cita. Lástima que de interpretar los sueños, por ejemplo, no se pueda vivir. Désormais, Freud analyse systématiquement ses rêves, s'éloigne de Fliss et aboutit à la découverte du complexe d'Édipe. A partir de este momento, Freud analiza sistemáticamente sus sueños, se aleja de Fliss y llega al descubrimiento del complejo de Édipo. Les lettres du 3 et 15 octobre 1897 seraient à relire en entier. Las cartas del 3 y 15 de octubre de 1897 deberían releerse enteras. Freud tient son auto-analyse pour essentielle et conclut dans la seconde lettre à propos d'un rêve. Je cite, « Chez moi aussi, j'ai trouvé le sentiment amoureux pour la mère et la jalousie envers le père. Et je les considère maintenant comme un événement général de la prime enfance. » Freud considère son auto-analyse comme essentiel et conclut en la seconde carte con un sueño, le cite. « También en mí he hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre. Y ahora lo considero un suceso universal de la niñez temprana. S'il en est ainsi, on comprend la force saisissante d'Édipe Roy. Fin de citation. Si esto es así, se comprende el poder cautivador de Édipo Rey. Ahí se termina la cita. La toute première fois où Freud émet l'hypothèse du complexe d'Édipe, il évoque deux grandes tragédies, celle d'Édipe, donc, mais aussi celle d'Hamlet, qui ont traversé les siècles grâce à la fascination inflexible qu'elles exercent. La primera vez que Freud hace la hipótesis del complejo de Edipo, evoca dos grandes tragedias, la de Edipo y también la de Hamlet, que atravesaron los siglos gracias a la fascinación inflexible que ejercen. Quelques lignes plus loin, il salue Shakespeare à propos de la tragique histoire d'Hamlet, prince de Danemark, je cite, l'inconscient en lui ayant compris l'inconscient dans le héros. Algunas líneas después, saluda a Shakespeare a propósito de la historia trágica de Hamlet, príncipe de Dinamarca, lo cito. Lo inconsciente en él entendió lo inconsciente en el héroe. Cet hommage élève d'un coup l'énigme d'Hamlet, sa longue hésitation à venger son père en tuant celui qui a pris sa vie et son épouse, soit celui qui a accompli les vœux d'Hippien du meurtre du rival et conquête de son objet. Este homenaje levanta de golpe el enigma de Hamlet, su larga vacilación de vengar a su padre, matando al que tomó su vida y su esposa, es decir, al que cumplió los anhelos edípicos del asesinato del rival y de la conquista de su objeto. L'effet censé rendre raison de l'hystérie, la théorie de la séduction réelle, s'avère relevé d'un effet de pure création imaginaire. Los hechos que suponían explicar la histeria, la teoría de una seducción real, resultan depender de un efecto de pura creación imaginaria. C'est un point sur lequel les féministes les plus fanatiques continuent d'accuser Freud. Il aurait fermé les yeux sur la culpabilité des pères. Es un punto sobre el cual las feministas más fanáticas continúan acusando a Freud. Habría cerrado los ojos sobre la culpabilidad de los padres. En lieu et place de l'événement traumatique réel, Freud découvre la fonction du fantasme
comme soutien du désir inconscient inavouable, sinon par la fiction. En lugar del acontecimiento traumático real, Freud descubre la función del fantasma como el sostén del deseo inconsciente e inconfesable si no fuera por la ficción. Les rêves sont reconnus comme l'expression de désirs déguisés, c'est-à-dire suffisamment travestis pour franchir la censure imposée par le refoulement. Los sueños se reconocen como la expresión de deseos disfrazados, es decir, lo suficientemente disfrazados como para franquear la censura impuesta por la represión. Freud étend cette hypothèse à l'ensemble des formations de l'inconscient, symptômes, lapsus et actes manqués, à déchiffrer comme des récits fictionnels. Freud extiende esta hipótesis al conjunto de las formaciones del inconsciente, los síntomas, los lapsus y los actos fallidos, a descifrar como relatos ficcionales. Il paraît logique qu'il s'attache alors à chercher les désirs refoulés qui seraient à l'origine des œuvres littéraires. Parece lógico que se esfuerce entonces en buscar los deseos reprimidos que estarían en el origen de las obras literarias. Sa découverte sur la véritable nature du traumatisme, le fantasme de séduction, événement inaugural de la psychanalyse, noue d'une manière indissociable l'œuvre littéraire et l'œuvre du désir inconscient. Su descubrimiento sobre la verdadera naturaleza del traumatismo, el fantasma de seducción, acontecimiento inaugural del psicoanálisis, anuda de manera indisociable la obra literaria y la obra del deseo inconsciente. Peut-on penser que Freud aurait pu fonder les éléments du complexe d'Édipe et affirmer la fonction des fantasmes de séduction sans ses connaissances littéraires de Sophocle et de Shakespeare? Je ne le crois pas. Se podría pensar que Freud habría podido fundar los elementos del complejo de Edipo y afirmar la función de los fantasmas de seducción sin sus conocimientos literarios de Sófocles y de Shakespeare, no, yo no lo creo. L'invention de la psicobiografie. La invención de la psicobiografía. On comprend qu'il ait voulu retrouver dans d'autres chefs-d'œuvre la confirmation de ses théories. En se penchant en 1906 sur la Gradiva, fantaisie pompéenne de Jensen. Se comprende que él hubiera querido encontrar en otras obras maestras la confirmación de sus teorías, interesándose en 1906, por ejemplo, en la Gradiva, una fantasía pompeyana de Jensen. En 1913 avec L'homme au sable d'Hoffmann, en 1919 en lisant les carnets de Léonard de Vinci. En 1913 con El hombre de arena de Hoffmann, en 1919 leyendo los cuadernos de Leonardo da Vinci. En 1928 à propos du roman Les frères Karamazov de Dostoïevski, Freud se permet même de donner un diagnostic d'hystérie sur l'auteur. En 1928, a propósito de la novela de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, Freud incluso se permite darle un diagnóstico de histeria al autor. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle souligne les grands textes littéraires ayant servi de support pour la rédaction par Freud d'articles et d'ouvrages essentiels. Esta lista no es exhaustiva, pero destaca los grandes textos literarios que sirvieron de base a Freud en la redacción de artículos y de obras esenciales. Dans le discours rédigé en 1930 pour recevoir le prix Goethe, il laisse entendre la vastitude de sa culture classique. En el discurso redactado en 1930 para recibir el premio Goethe, insinúa la vastedad de su cultura classique. Il défend la nécessité de, je cite, la psychanalyse appliquée à un grand homme, c'est-à-dire à un écrivain ou à un autre créateur, pour contribuer, je le cite à nouveau, à faire comprendre la grandeur de son œuvre.
Él defiende la necesidad de, lo cito, el psicoanálisis aplicado a un gran hombre, es decir, a un creador, a un escritor o a un creador diferente, para contribuir, lo cito de nuevo, a la comprensión de su gran logro. Malgré lui, Freud a ouvert la voie à la psychobiographie en revendiquant pour le psychanalyste une place semblable à celle du biographe. A su propio pesar, Freud abrió la vía a la psicobiografía, reivindicando con ello para el psicoanalista un lugar semejante al del biógrafo. Ce parcours trop rapide et imparfait indique néanmoins qu'il trouve ses racines dans les œuvres de Sophocle et de Shakespeare qu'il connaissait parfaitement. Este recorrido demasiado rápido e imperfecto e indica no obstante que él encuentra sus raíces en las obras de Sófocles, de Shakespeare y que a quienes conocía perfectamente. C'est Sophocle qui lui a permis, dès la première heure, de généraliser son hypothèse oedipienne, comme il écrit à son ami Phlis, pour expliquer l'attrait de cette pièce de théâtre. Es Sófocles quien le permitió desde el primer momento generalizar su hipótesis edípica, como se lo escribe a su amigo Phlis para explicar el atractivo de esta obra de teatro. Je le cite, « Chaque auditeur a été un jour en germe et en fantaisie cet Édipe, comme il reconnaît l'avoir été lui-même. » Cito a Freud, « Cada uno de los oyentes fue una vez en germen y en fantasía un Édipo así. » Comme reconoce haberlo sido él mismo. Freud assimile alors l'inconscient à cette autre scène que celle de la vie de la représentation vigile, comme il en emprunte la formule à Fechner pour expliquer la scène des rêves. Freud assimile entonces el inconsciente a ese otro escenario, el de la vida de representaciones de la vigilia, tomándole la fórmula prestada a Fechner para explicar la escena de los sueños. On sait combien ce rapprochement entre inconscient et autre scène a marqué le vocabulaire psychanalytique. Depuis Freud jusqu'à notre collègue Antonio Kiné, qui a publié l'inconscient théâtral aux éditions Nouvelles du Champ Lacanien en 2021. Sabemos hasta qué punto esta aproximación entre inconsciente y la otra escena ha marcado el vocabulario psicoanalítico desde Freud hasta nuestro colega Antonio Kinet, que publicó El inconsciente teatral en las nuevas ediciones del campo lacaniano en el 2021. De même, la scène garde un poids particulier dans notre vocabulaire, scène primitive, scène du fantasme, etc. E incluso la palabra escena conserva un peso particular en nuestro vocabulario. Escena primitiva, escena del fantasma, etc. On ne peut pas négliger l'intérêt de Freud pour le théâtre. No se puede descuidar este interés de Freud por el teatro. Je passe directement au chapitre suivant, Lacan et la renaissance de la psychanalyse. Vamos a pasar al siguiente capítulo, Lacan y el renacimiento del psicoanálisis. L'histoire de la psychanalyse trouve un nouvel essor avec Lacan, qui publie en 1966, vous le savez, une série d'articles intitulée « Écrits », ouvrage qui s'ouvre par la lecture d'une nouvelle d'Edgar Poe, « La lettre volée ». La historia del psicoanálisis encuentra un nuevo auge con Jacques Lacan, que publica en 1966 una serie de artículos titulados Escritos, obra que comienza con su lectura de un cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada. S'il fallait recenser tous les textes littéraires exploités par Lacan, la liste serait longue mais très édifiante. Si tuviéramos que enumerar todos los textos literarios explotados y explorados por Lacan, la lista sería larga pero muy edificante. Elle nous montrerait en premier lieu qu'il a mené des études d'œuvres littéraires beaucoup plus fouillées et systématiques que Freud ne l'a jamais fait. Nos mostraría en primer lugar que había hecho estudios de obras literarias
mucho más minuciosos y sistemáticos que Freud nunca hizo. C'est dans son séminaire, au moment même où il se détache progressivement du commentaire suivi des textes de Freud, que Lacan entre dans un dialogue extraordinairement fécond avec de grandes œuvres littéraires. En su seminario, incluso en el momento en que se desprende progresivamente del comentario que hacía desde hacía seis años de los textos de Freud, es que Lacan entra en un diálogo extraordinariamente fecundo con las grandes obras literarias. Dans le séminaire 6, Le désir et son interprétation, il poursuit le projet de Freud à partir de cette petite remarque adressée à Fliess sur le rapprochement entre Édipe Roy et la tragique histoire d'Hamlet. En el seminario 6, El deseo y su interpretación, sigue el proyecto de Freud a partir de esa pequeña observación enviada a Fliess sobre la aproximación entre Édipe Roy y la historia trágica de Hamlet. Freud, bien avant le structuralisme, écrit à son ami Fliess que ces deux tragédies sont en fait de même nature et que finalement, Hamlet est la tragédie d'Édipe déformée par le travail de la culture opéré au cours des siècles. Freud, mucho antes del estructuralismo, le escribe a su amigo Fliess que estas dos tragedias, de hecho, son de la misma naturaleza y que, finalmente, Hamlet es la tragedia de Edipo, deformada por el trabajo de la cultura que operó en el curso de los siglos. À l'aide de cette hypothèse, Lacan, dans un éblouissant commentaire étalé sur 7 séances, texte en main, donne un éclairage inédit de la pièce. Con la ayuda de esta hipótesis, Lacan, en un deslumbrante comentario a lo largo de 7 sesiones, con el texto en la mano, da un esclarecimiento inédito de la obra de teatro, de esta obra de teatro. Je me suis perdu. De cette pièce. Avec l'aide de cette hypothèse. Ça commence comme ça, le parcours. À l'aide de cette hypothèse, Lacan, dans un éblouissant commentaire étalé sur... Non, mais je l'ai déjà dit ça. Il extrait une thèse fracassante, le désir, c'est son énonciation. Y extrae allí una tesis impactante, el deseo es su enunciación. Toujours dans les pas de Freud, dans le séminaire suivant, le séminaire 7, l'éthique de la psychanalyse, il imprime sa marque en reprenant Sophocle, non pas Édipe Roy, mais Antigone, pour donner sa juste mesure au caractère indomptable et hors la loi du désir pur. Siempre siguiendo los pasos de Freud, en el seminario siguiente, el seminario 7, la ética del psicoanálisis, imprime su marca al retomar a Sófocles, no con Edipo Rey, sino con Antígona, para darle su justa medida al carácter indomable y fuera de la ley del deseo puro. Le fait de considérer, je cite, l'art littéraire si proche pour nous du domaine éthique, le pousse également à une étude de la littérature médiévale de l'amour courtois à propos de la dimension réelle de la chose ratée par le signifiant. El hecho de considerar, lo cito, el arte literario tan próximo para nosotros al dominio ético, lo empuja igualmente a un estudio en la literatura medieval del amor cortés sobre la dimensión real de la cosa que escapa al significante. Dans le séminaire 8, le transfert, Lacan prend un autre rythme avec Le banquet de Platon et les pièces de Claudel, la trilogie des coups fontaines. En el seminario 8, la transferencia, Lacan toma otro ritmo con el banquete de Platón y las obras de Paul Claudel, la trilogía de coups fontaines. Ce séminaire est le seul qui soit habité de bout en bout par des références aux arts de la lettre. Este seminario es el único que está lleno de principio a fin de referencias a las artes de la letra. Sa lecture de la trilogie de Claudel relève encore de la logique du déchiffrage du désir dans une modernité où la question du père tend à s'estomper.
Su lectura de la trilogía de Claudel también depende de la lógica del desciframiento del deseo en una modernidad en la que la cuestión del padre tiende a difuminarse. Jusque-là, et en particulier avec Claudel, il s'agit encore de donner des outils pour approcher la réalité psychique mise à jour par Freud, à savoir le complexe d'Édipe. Hasta entonces, y particularmente con Claudel, todavía se trata de dar instrumentos, herramientas para abordar la realidad psíquica actualizada por Freud, a saber, el complejo de Édipo. Lacan reste fidèle à Freud, même si la référence au nom du père est déjà une façon de réordonner la logique oedipienne autour de la relation du sujet au signifiant du phallus. Lacan continuó siendo fiel a Freud, aunque la referencia al nombre del padre ya es una manera de reordenar la lógica edípica alrededor de la relación del sujeto al significante del falo. Ce n'est qu'après l'abandon de ces longs commentaires d'œuvres littéraires que, je le répète, Freud n'a jamais mené d'une façon aussi fouillée, que Lacan y revient d'une façon plus critique au travers de textes écrits et d'un séminaire tout entier consacré à un homme de lettres, James Joyce. Es solo después de abandonar estos largos comentarios de obras literarias que, lo repito, Freud jamás hizo de una manera tan minuciosa que Lacan regresa a estos de una manera más crítica, a través de textos escritos y a través de un seminario entero dedicado a un hombre de letras, James Joyce. Je laisse de côté beaucoup d'écrits de Lacan, d'articles de Lacan dans les écrits, et je vais passer à autre chose. Voy a dejar de lado el artículo de los escritos de Lacan y ya voy a pasar entonces a otra cosa. Les articles de Lacan en lien avec la littérature. El título siguiente es los artículos de Lacan relacionados con la literatura. Pas tous, ne soyez pas effrayés, je ne vais pas les reprendre tous. No los voy a retomar todos, no se asusten. Le texte intitulé « Hommage fait à Marguerite Duras du ravissement de Lolvestein », d'abord paru en 1965, ouvre une brèche plus nette avec l'abord freudien des œuvres littéraires, bien qu'ils disent suivre l'enseignement de Freud. El primero sería el texto titulado « Homenaje a Marguerite Duras por el arrebato de Lolvestein ». Este texto, publicado inicialmente en 1965, abre una brecha más nítida con el abordaje freudiano de las obras literarias, aunque él diga seguir la enseñanza de Freud. Le ton est polémique. Lacan conteste la voie ouverte par Freud lui-même, celle qui met au rang la psychanalyse et la psychobiographie, même si ses critiques visent d'abord les psychanalystes post-freudiens. El tono es polémico. Lacan pone en duda la vía abierta por Freud mismo, la que pone en el mismo plano el psicoanálisis y la psicobiografía, aunque sus críticas le apuntan más a los psicoanalistas post-freudianos. Il leur reproche, je cite, d'attribuer la technique avouée d'un auteur à quelques névroses, de point goujaterie, et de le démontrer comme l'adoption explicite des mécanismes qui en font l'édifice inconscient, de point sottise. Él reprocha entonces a los post-freudianos, lo voy a citar, de atribuir la técnica reconocida de un autor a alguna neurosis, dos puntos, grosería, y en la que demostrarla como la adopción explícita de los mecanismos que forman su edificio inconsciente, dos puntos, tontería. Et il poursuit plus loin, je cite, « Je pense que même si Marguerite Duras me fait tenir de sa bouche qu'elle ne sait pas dans toute son œuvre d'où l'ol lui vient, et même pourrais-je l'entrevoir de ce qu'elle me dit la phrase d'après, le seul avantage qu'un psychanalyste ait le droit de prendre de sa position, lui fut-elle donc reconnue comme telle, c'est de se rappeler avec Freud, dans sa matière, l'artiste,
toujours le précède et qui n'a donc pas à faire là le psychologue là où l'artiste lui ferait la voix. C'est un peu long. Y más adelante, él dice, lo cito entero, pienso que incluso si Marguerite Duras me hace escuchar de su propia boca, que no sabe en toda su obra de dónde le viene el LOL, y aunque yo pudiera entreverlo por lo que me dice en la frase siguiente, la única ventaja que un psicoanalista tiene derecho de sacar de su posición, aun cuando ésta le fuera pues reconocida como tal, es la de recordar con Freud que en su materia el artista siempre lo precede y que no tiene por qué hacerse entonces el psicólogo, allí donde el artista le abre el camino. Monica, je saute un passage, je reprends oui. Le paragraphe suivant. Il est à noter que la dernière leçon du séminaire 12, « Problèmes cruciaux pour la psychanalyse », est une séance fermée durant laquelle il a demandé à Michel Montrelet de parler du dernier roman de Duras, Le Ravissement. Hay que señalar también que en la última lección del seminario 12, Problemas cruciales para el psicoanálisis, en una sesión cerrada durante la cual le pidió a Michel Montrelet hablar de la última novela de Duras, El Arrebato. Et Lacan ne résiste pas au plaisir de lire lui-même à voix haute de longs extraits en rejetant plusieurs fois de façon très explicite tout abord psychologique. Aquí Lacan no se resiste al placer de leer él mismo en voz alta largos fragmentos, rechazando de manera muy explícita y repetida todo abordaje psicológico. Le deuxième article qui me semble important. Littérateur est d'abord publié en octobre 1871 dans un numéro spécial de la revue Littérature consacrée au thème littérature et psychanalyse. El segundo artículo que me parece importante señalar es el de Literatura, que fue publicado en octubre de 1971 en un número especial de la revista Literatura dedicado al tema literatura y psicoanálisis. Cet article a d'abord été une leçon du séminaire 18, d'un discours qui ne serait pas du semblant. Este artículo primero fue una lección, que es la del 12 de mayo del 71, del seminario 18, de un discurso que no fuera de semblante. Bien avant d'avoir commencé son étude systématique de l'œuvre de Joyce, Lacan prend son départ, comme il s'exprime avec sa plume, de l'équivoque dont Joyce glisse de « a letter » à « a litter », d'une lettre, je traduis, à une ordure. Mucho antes de haber comenzado su estudio sistemático de la obra de Joyce, Lacan parte, como lo expresa de su pluma, lo cito, del equívoco con el que Joyce se desliza de letter a aliter, de una letra, traduzco a una inmundicia. Fin de la cita. Ese es el fin, hasta ahí la cita de Lacan. Il lui reconnaît d'emblée d'avoir été, je cite, tout droit au mieux de ce qu'on peut attendre de la psychanalyse à sa fin. Il reconoce desde el principio haber sido, lo cito de nuevo, derecho a lo mejor de lo que se puede esperar del psicoanálisis en su fin. Il concède à Joyce d'avoir su accorder une place viable à son être de déchet, comme on peut l'espérer au terme d'une analyse. Le concede a Joyce haber sabido adjudicarle un lugar viable a su ser de desecho, como se puede esperar al final de un análisis. Il rappelle combien son propre sort est lié à la poubelle, notamment avec le néologisme qu'il a inventé pour parler de la publication de ses écrits, poubellication en français. Y no recuerda hasta qué punto su propio destino está ligado a la basurera, especialmente con el neologismo que inventó para hablar de la publicación de sus escritos, publicación, condensación en francés de basurera, basurero, y publicación,
Basurero, pues el recipiente donde se echa la basura. No sé cómo le dicen en otros países, por eso explico basurera. Merci. Como il y a des gens d'autres pays, je ne sais pas comment on dit les pots où on met la poubelle. Donc voilà, je dis comment on dit en Colombie en fait. Dans cet article, Lacan évoque brièvement Beckett. Il dit de lui, je cite, que Beckett sauve l'honneur de la littérature et me relève du privilège que je croirais tenir ma place. En este artículo, Lacan évoque brièvement Beckett. Sobre él dice, lo cito, Beckett salva el honor de la literatura y me libera del privilegio que creería tener por mi posición. Notons seulement cette position partagée entre Joyce, Beckett et Lacan sur le glissement de la lettre, de letter à litter, qu'une cure produit comme reste. Solamente notemos que esa posición compartida por Joyce, Beckett y Lacan en el deslizamiento de la letra, del éter, en liter, que una cura produce como resto. Le troisième article rédigé par Lacan à partir d'une œuvre littéraire est sa préface à l'éveil du printemps, la pièce de Frank Wedekind, parue en français en 1974. El tercer artículo redactado por Lacan a partir de una obra literaria es su prefacio al despertar de la primavera, la obra de teatro de Frank Wedekind, publicada en francés en 1974. L'usage qu'il fait du nom du père est vraiment éloigné, sinon étranger, à la réalité psychique établie par Freud autour de l'amour pour le père oedipien. El uso que Lacan hace del nombre del padre está muy lejos, por no decir extranjero, de la realidad psíquica establecida por Freud con el amor por el padre edípico. Lacan fait du nom du père un pur semblant, proche de la femme avec un L majuscule qui n'existe pas. Lacan hace del nombre del padre un puro semblante, cercano a la mujer con L mayúscula que no existe. La lecture que propose Colette Solaire dans son livre consacré à la préface de Lacan montre combien, en effet, Wedekind devance Freud dans une parfaite orthodoxie freudienne. La lectura que propone Colette Solaire en su libro dedicado al prefacio de Lacan muestra hasta qué punto, en efecto, Wedekind se le adelanta a Freud en una perfecta ortodoxia freudiana. Colette Solaire démontre en somme que si les artistes feraient la voix aux psychanalystes, comme l'écrit Lacan dans son hommage à Duras, ce n'est pas pour que le psychanalyste les suive comme l'a fait Freud, en croyant qu'il le devançait toujours. Colette Solaire demuestra que, en definitiva, los artistas le desbrozan la vía al psicoanalista, como lo escribe Lacan en su homenaje a Duras. Esto no es para que el psicoanalista le siga como lo hizo Freud, creyendo que ellos se le adelantaban siempre. Lacan ne croit pas ou ne croit plus que les artistes précèdent l'analyste. Au contraire, il estime que lui revient la tâche d'éclairer, comme l'écrit Colette, la question de savoir ce qu'il réussisse en tant qu'écrivain. Lacan no cree, o ya no cree más, que los artistas preceden al analista. Al contrario, él considera que le corresponde la tarea de esclarecer, como lo escribió Colette Soler, la pregunta de saber qué logran como escritores. C'est ce à quoi s'emploie Lacan dans sa préface, en explicitant la fonction de l'énigmatique personnage de la pièce de Wedekind, l'homme masqué, comme un entre autres des noms du père. Es a lo que se dedica Lacan en su prefacio, explicitando la función del enigmático personaje de la obra de teatro de Wedekind, el hombre enmascarado, como uno entre otros de los nombres del padre. Nous arrivons au dernier article de Lacan explicitement lié à la littérature, Joyce, le symptôme.
Y llegamos al último artículo que quiero citar de Lacan, explícitamente ligado a la literatura, Joyce, el síntoma. Cet article est paru en 1979, avant d'être repris plusieurs fois. Este artículo fue publicado en 1979, antes de ser retomado varias veces. Ce texte est fondamental car il ouvre bien des portes aux analystes, quitte à provoquer quelques courants d'air pour les plus frileux. Este texto es fundamental porque les abre muchas puertas a los analistas, con riesgo de provocarles algunas corrientes de aire para los más friolentos. Bien après son séminaire 23 sur Joyce, le symptôme, 1975-1976, Lacan publie cette conférence initialement prononcée le 20 juin 1975. Mucho después de su seminario 23 sobre Joyce, el síntoma con H, de 1975-1976, Lacan publica esta conferencia inicialmente pronunciada el 20 de junio de 1975. Nous ignorons si pour l'occasion il l'a réécrite ou pas. En tout cas, elle se termine par une indication inédite pour surmonter la butée de toute cure, à savoir le symptôme. Ignoramos si para la ocasión lo había reescrito o no. En todo caso, se termina con una indicación inédita para trascender el tope de toda cura, el síntoma. La voie indiquée par Lacan passe par Joyce parce que son ardir donne une juste idée de ce qu'est la jouissance du symptôme. Virgule, je cite, jouissance opaque d'exclure le sens. Jouissance. Pour nous, oui. Jouissance qu'il s'agit, nous dit Lacan, de dévaloriser. Désolé. La vía indicada por Lacan pasa por Joyce, porque su arte decir da una idea justa de lo que es el goce del síntoma, lo cito. Goce opaco por excluir el sentido. Goce que se trata, nos dice Lacan, de desvalorizar. La dernière œuvre de Joyce, Finnegan's Wake, est un livre qui ne se lit pas vraiment. Toute sa valeur tient dans son écriture éminemment énigmatique. La última obra de Joyce, Finnegan's Wake, es un libro que en realidad no se lee. Todo su valor se sostiene en su escritura éminemment énigmatique. Lacan ouvre une voie nouvelle dans la mesure où il faut, dit-il, que l'analyste soit post-Joycien. Lacan abre una nueva vía en la medida en que el analista debe ser post-Joyciano. Être post-Joycien, c'est le savoir, dit-il. Savoir que le symptôme exclut le sens puisqu'il le digère si on le nourrit avec une interprétation qui apporte du sens. Ser post-joyciano es saberlo, dice Lacan. Saber que el síntoma excluye el sentido, ya que lo digiere si se lo alimenta con una interpretación que aporta sentido. Il ne s'agit pas que l'analyste soit joycien, mais bien post-joycien pour conduire la cure au-delà du père de la réalité psychique freudienne, commandé par le complexe d'Édipe. No se trata de que el analista sea joyciano, sino post-joyciano, para conducir la cura más allá del padre de la realidad psíquica freudiana ordenada por el complejo de Édipo. Séminaire 23, le symptôme sur Joyce. El siguiente título, el seminario 23, el síntoma con H sobre Joyce. Une des conséquences majeures de ce séminaire, le symptôme, est de conduire Lacan vers un nouvel abord de la visée de la cure par l'interprétation grâce à ce qu'il nomme symptôme comme quatrième terme pour faire tenir le nœud RSI. Una de las consecuencias más importantes del seminario 23 sobre Joyce, el síntoma, es que condujo a Lacan hacia un nuevo abordaje de la dirección de la cura por la interpretación, gracias a lo que nombra síntoma como el cuarto término para sostener el nudo RSI. Dans le séminaire précédent, le séminaire 22, RSI,
Ce qui faisait tenir les trois rangs, R, S et I, pour Freud, selon Lacan, c'était la réalité psychique. En el seminario precedente al de Joyce, el seminario 22, RSI, lo que sostenía los tres redondeles de RSI para Freud, según Lacan, era la realidad psíquica. Je le cite parlant de Freud dans le séminaire 22, RSI donc. Ce qu'il appelle réalité psychique a parfaitement un nom, c'est ce qui s'appelle complexe d'Édipe. Cito a Lacan hablando de Freud en el seminario 22 RSI entonces. Lo que llaman la realidad psíquica perfectamente tiene un nombre, se llama el complejo de Édipo. Sans le complexe d'Édipe, rien ne tient. Rien ne tient de l'idée qu'il a, de la façon dont il se tient à l'accord du symbolique, de l'imaginaire et du réel. Fin de citation. Sin el complejo de Édipo, nada se sostiene. Nada se sostiene de la idea que tiene, de la manera en que se sostiene la cuerda de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Este es el fin de la cita. Dans le séminaire 23, le symptôme, Lacan met en place de quatrième rang le symptôme pour faire tenir R, S et I. En el seminario 23, el síntoma, Lacan instaura el cuarto redondel. El santón con H para sostener RSI. Même si on n'est pas très doué en topologie comme moi, on comprend qu'il se passe quelque chose de très important. Aunque no seamos muy buenos en topología como yo, comprendemos que sucede algo muy importante. La réalité psychique, tout entière liée au complexe d'Édipe, est remplacée par le symptôme. La realidad psíquica ligada por completo al complejo de Édipo es reemplazada por el síntoma. Le symptôme lacanien doit remplir la même fonction de nomination que la réalité psychique freudienne. El síntoma lacaniano con H debe cumplir la misma función de nominación que cumple la realidad psíquica freudiana. Pour Freud et pour Lacan pendant un certain temps, seul le complexe d'Édipe pouvait nommer le sujet comme homme, comme femme. Avec le symptôme, la fonction de nomination se trouve élargie. Para Freud y para Lacan durante cierto tiempo, solo el complejo de Édipo podía nombrar el sujeto como hombre o como mujer. Con el síntoma con H, la función de nominación se amplía. Il faut noter que ce passage ne se fait pas sans une critique sévère de Lacan envers Freud. Hay que señalar que este paso no se hace sin una crítica severa de Lacan a Freud. Cette critique nous intéresse au plus haut point aujourd'hui. Y esta crítica es la que nos interesa muchísimo hoy. Curieusement, elle est annoncée dans une intervention que prononce Lacan peu avant le commencement de son séminaire sur Joyce. Y curiosamente es anunciada en una intervención que pronuncia Lacan poco antes del comienzo de su seminario sobre Joyce. C'est une longue citation, mais elle me semble très importante. Es una cita larga, pero me parece muy importante. J'entends avancer que le symptôme, c'est de souffrir d'avoir une âme dont l'essentiel est d'être symptôme. Voy a traducir el santón con H, lo voy a pronunciar como en francés para que se distinga del síntoma del otro. Entonces voy a hacer la traducción así para que ustedes puedan seguir lo que plantea Lacan. Pienso plantear que el santón es sufrir por tener un alma de lo que lo esencial es de ser síntoma. L'imaginaire, le symbolique et le réel. Quoique noué, ça ne suffit pas. N'y aurait-il que ce complément au symbolique, cette façon de se nouer de deux des ronds de ficelle, qui ne suffisent pas pour autant en faire un, c'est tout de même bien au symbolique qu'est accroché tout ce qui concerne le symptôme.
Et c'est sur cette consistance propre aux symptômes, j'essaierai cette année de vous montrer comment. Lo imaginario, lo simbólico y lo real, aunque anudados, no es suficiente. Solo habría ese complemento a lo simbólico, esa manera de anudarse de dos redondeles de cuerda, que sin embargo no son suficientes para hacer con ello uno. Es de todos modos, precisamente al simbólico, que está colgado todo lo que concierne el síntoma y a esta consistencia propia del síntoma, yo intentaré este año mostrarles. No, yo intento. Voilà, jusque là. Faudra bien préciser que c'est la citation que je poursuis là. Hein. Freud sentait très bien que c'était dans l'art, dans l'artifice, qu'il devait trouver le support de sa théorie. Sigue la cita de Lacan. La voy a retomar desde un poquito antes. Es de todos modos precisamente al simbólico que está colgado todo lo que concierne el síntoma y a esta consistencia propia del síntoma. Yo intentaré este año mostrarles cómo Freud presentía muy bien que era en el arte, en el artificio, donde debía encontrar el soporte de su teoría. Il l'a senti très bien, mais il n'a fait que le sentir, puisque chaque fois qu'il a approché une œuvre d'art, il était hors d'état de soumettre l'œuvre elle-même, ni son auteur, à une psychanalyse. Freud lo presintió muy bien, pero solo lo presintió, ya que cada vez que abordó una obra de arte, no pudo evitar someter la misma obra y su autor a un psicoanálisis. L'ambiguïté d'ailleurs de l'œuvre et de son auteur est tout à fait frappante. Por cierto, la ambigüedad de la obra y de su autor es completamente sorprendente. Qu'est-ce qui dans l'art commande? Est-ce l'œuvre ou bien l'auteur? C'est ce que nous essaierons de sonder cette année. ¿Qué es lo que en el arte ordena? ¿Es la obra o el autor? Es lo que trataremos de sondear este año. Aquí se termina la cita de Lacan. Fin de citation. Rappelons que peu après la fin de son séminaire mené à partir de Joyce qu'il annonce ici, Lacan, dans sa préface à l'édition anglaise du séminaire 11, revient sur, je cite, son propre embarras à lui, hein, embarras quant à l'art, où Freud, dit-il, se baignait non sans malheur, pour souligner sa distance avec lui. Recordemos que poco después del final de su seminario, realizado a partir de Joyce, que Lacan anuncia aquí, esperen un momento. Recordemos que poco después del final de su seminario realizado a partir de Joyce, que anuncia aquí, Lacan en el prefacio a la edición inglesa del seminario 11, vuelve, lo voy a citar, a su propio embarazo, el embarazo pues de él, de Lacan, en relación con el arte, en el que Freud se bañaba no sin desdicha. Esta es su manera de resaltar su distancia con Freud. Nous arrivons à la fin. L'interprétation renouvelée du roman à la poésie. Ya llegamos al final. La interpretación renovada de la novela a la poesía. Pour conclure, revenons sur le propre rapport de Lacan à la littérature, car il y a un grand changement depuis le début de son enseignement. Para concluir, volvamos a la propia relación de Lacan con la literatura, porque hay un gran cambio desde el principio de su enseñanza. Il part d'une conception de la cure liée au roman. Él parte de una concepción de la cura ligada a la novela. En effet, en 1959, dans son séminaire 6, Le désir et son interprétation, dont j'ai parlé, Lacan définit le trajet d'une cure analytique ainsi. En efecto, en 1959, en su seminario 6, El deseo y su interpretación, del que ya hablé, Lacan define el trayecto de una cura de esta manera. Je cite, si je devais la comparer à quelque chose, ce serait un récit qui serait lui-même le lieu de la rencontre dont il s'agit dans le récit. Abro la cita. Si debiese compararlo con algo, sería con un relato que fuese a su vez el lugar del encuentro acerca del cual se trata el relato.
À partir de 1975, en suivant Joyce, Lacan s'oriente vers la poésie comme pratique du sonore pour redéfinir la psychanalyse elle-même comme une pratique sans valeur. A partir de 1975, siguiendo a Joyce, Lacan se orienta entonces hacia la poesía como la práctica de lo sonoro para definir el psicoanálisis. Il affirme dans une leçon du séminaire 24, l'insu que c'est de l'une, bévue celle amour, qui vient après celui sur le symptôme, et que je cite. Voy a retomar un poquito adelante. Entonces, Lacan se orienta hacia la poesía como la práctica de lo sonoro para redefinir el psicoanálisis mismo como una práctica sin valor. Lo afirma en una lección del seminario 24, lo no sabido que sabe de la una equivocación se ampara en amor. Generalmente le decimos l'insu, pues le usamos como la primera palabra en francés, que viene después del symptôme y cito esta parte de Lacan. Nous n'avons rien de beau. Non, nous n'avons rien à dire de beau. C'est d'une autre résonance qu'il s'agit, à fonder sur le mot d'esprit. No tenemos nada bello que decir. Es de otra resonancia de lo que se trata. Debe fundarse en el chiste. Un mot d'esprit n'est pas beau. Il ne se tient que d'une équivoque ou, comme le dit Freud, d'une économie. Un chiste no es bello. Solo se sostiene de un equívoco. O como lo dice Freud, de una economía. Rien de plus ambigu que cette notion d'économie. Mais tout de nada, même... Pardon. Nada más ambiguo que esta noción de economía. Mais tout de même, l'économie fonde la valeur. Pero aún así, la economía funda el valor. Une pratique sans valeur, voilà ce qu'il s'agirait pour nous d'instituer. Una práctica sin valor, y ahí lo que trataríamos de instituir. Durant cette leçon, Lacan parle du poète François Cheng, avec lequel il a travaillé, et du livre que ce dernier lui a envoyé. Durante esta lección, Lacan habla del poeta François Cheng, con quien trabajó, y del libro que este último le envió. L'écriture poétique chinoise pour dire à son auditoire de le lire, pour en prendre de la graine, rien que ça. La escritura poética china, este es el libro que le envió Sheng, para decirle a su auditorio que debían leerlo, para sacarle provecho. Nada más que eso. Je cite un autre passage de cette leçon. Voy a citar otro pasaje de esta misma lección. Le sens s'attampone, mais à l'aide de ce qu'on appelle l'écriture poétique, vous pouvez avoir la dimension de ce que pourrait être l'interprétation analytique. El sentido, eso tapona, pero con la ayuda de lo que se llama la escritura poética, ustedes pueden tener la dimensión de lo que podría ser la interpretación analítica. Si donc la psychanalyse doit être une pratique sans valeur, c'est dans la mesure où elle doit être poétique pour faire trou dans le sens et ainsi ne plus nourrir le symptôme de sens. Si entonces el psicoanálisis debe ser una práctica sin valor, esto es en la medida en que debe ser poético para agujerear el sentido y así no alimentar de sentido el síntoma. Donc je conclus. La référence à l'écriture littéraire n'a jamais déserté la psychanalyse depuis son invention par Freud, jusqu'à la promotion de l'inconscient réel de Lacan et du recours à la dimension poétique qu'il propose pour servir l'interprétation analytique. La referencia a la escritura literaria jamás desertó al psicoanálisis, desde que Freud lo inventó hasta la promoción del inconsciente real de Lacan y del recurso a la dimensión poética que propone servirle a la interpretación analítica. Si l'on considère que l'interprétation doit être poétique et qu'elle vise à émouvoir l'inconscient réel, alors l'interprétation analytique d'œuvres littéraires, dans la mesure où elle concerne seulement l'inconscient structuré comme un langage,
ne devrait plus tant occuper les analystes. Si se considera que la interpretación debe ser poética y que tiene como objetivo conmover el inconsciente real, entonces la interpretación analítica de obras literarias, en la medida en que concierne solamente al inconsciente estructurado como un lenguaje, no debería ocupar tanto a los analistas. Or, on constate que ça n'est pas le cas. Et j'avoue que je trouve ça un peu inquiétant. Y constatamos actualmente que ese no es el caso. Y confieso que esto me parece inquietante. Merci. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar a la discusión. No sin antes agradecerte, Dominique, por este recorrido y esta propuesta que sitúa de manera muy precisa las relaciones entre el psicoanálisis y la literatura, pero teniendo a la clínica... Perdóname. Ahora es Diana quien traduce, pero tenemos que hacer frasecitas cortas. Bueno, perdón. Repito, Diana, ¿estás? Sí, nuevamente, Dominique. Vamos a pasar a la discusión. Primero, agradecerte este recorrido. Voilà, désolé, c'est mon micro que je ne pouvais pas allumer. Era mi micrófono que no podía encender. Perdona, Beatriz, puedes volver a comenzar. Sí. Le decía a Dominique que antes de la discusión deseo agradecer este recorrido. Avant la discussion, je voulais vous remercier ce parcours. Es muy preciso para mostrar. C'est très précis pour montrer, justement, las relaciones entre literatura y psicoanálisis, la relation entre littérature et psychanalyse, teniendo en perspectiva la clínica, ayant en perspective la clinique. Et en ese sentido, la en ce psychobiographie, la psychobiographie, no es lo que nos debe interesar. Ce n'est pas ce qui devrait nous intéresser. Bien, doy la palabra a los asistentes. Je donne la parole aux participants. En reacciones pueden levantar la mano. Vous pouvez lever la main. Para darles la palabra. Et comme ça, on vous donnera la parole. Je peux peut-être poser une question. Puedo tal vez hacer una pregunta. Allez-y. Peut-être que beaucoup de ce que j'ai dit est très 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 bien connu. Tal vez muchas de las cosas que he dicho se conocen ya muy bien. Il y a une question. Hay una pregunta. Dialma, puedes tomar la palabra. Y hola, buen día. Muchas gracias. Quisiera pedir que aclare un poquito, por Diana, favor. Sí. Recuerda lo que Mónica me dijo, despacio. Donc, bonjour, merci beaucoup. Je voulais poser une question. Dialma, por favor. Sí. Si pudiera aclarar un poco Si vous pouvez peut-être préciser ce que vous disiez sur... Si, lo que dijo en el sentido de que el analista debe ser post-joyciano y no joyciano. Sur ce que vous avez dit, que l'analyste doit être post-joycien et pas joycien. Sería eso, gracias. C'est ça, merci. Diana, yo tengo en esa misma línea. Et j'ai sur cette même ligne, sur sa même voie, pardon.
una pregunta, une question, acerca de si ser joyciano sería quedarse en el Edipo, sur si si d'être joycien ça serait de rester dans l'Édipe, en el sentido de que Joyce estaba cargado de padre, au sens que Joyce était chargé de père. Vous avez peut-être compris cette partie de chargé de père, je lui demande de préciser. Oui, oui, non, je trouve que la question est tellement intéressante que comme c'est une véritable question, je ne sais pas y répondre. Me parece que la pregunta es muy interesante, no sabría cómo responder. Mais quand Lacan nous dit de ne pas être joycien, pero cuando Lacan nos dice de no ser joyciano, mais bien d'être post-joycien, c'est pour réduire le symptôme tel qu'il a défini. Nos dice de no ser joyciano, sino post-joyciano, es para reducir al síntoma, tal y como él lo definió. Être joycien, c'est-à-dire... Ser joyciano, es decir... comment le formuler? C'est aimer l'énigme, c'est aimer simplement l'énigme. Es amar el enigma. Le hors sens. El fuera del sentido. Joyce a fini par bâtir une œuvre complètement énigmatique. Joyce terminó edificando una obra completamente enigmática. Donc être post-joycien. Entonces ser post-joyciano. Et c'est un paradoxe parce que c'est Lacan qui le dit. Es una paradoja porque es Lacan el que lo dice. C'est plutôt visé à la clarté. Apunta más bien a la claridad. C'est un paradoxe. Mais je crois que surtout ce qu'il entend, c'est ne pas miser uniquement sur le hors-sens. Es una paradoja, pero en realidad creo que a lo que él apunta es no quedarse solamente en el fuera de sentido. Nous sommes obligés de passer par le sens. Estamos obligados a pasar por el sentido. Joyce ne veut pas passer par le sens. Joyce no quiere pasar por el sentido. Il ne veut pas passer par le sens dans tout le sens du terme. No quiere pasar por el sentido en todo el sentido del término. Le sens qui se déchiffre, il ne veut pas être déchiffré. El sentido que se descifra no quiere ser descifrado. Et il refuse ce qui relève de ce qu'on appelle la sensibilité. Y rehúsa a lo que proviene de lo que llamamos la sensibilidad. Du sens éprouvé. Del sentido del que se da cuenta. Del sentido del que se experimenta, que es experimentado. C'est très compliqué cette affaire. Hein? Es muy complicado este asunto. Parce que ça signifie que l'interprétation pour être efficace. Que significa que para que sea eficaz la interpretación, elle ne doit pas nourrir le symptôme avec du sens. No debe alimentar el síntoma con sentido. Ça, je crois qu'on le comprend. Eso creo que lo entendemos. Mais elle doit dévaloriser le sens. Sino que debe desvalorizar el sentido. Ce qui parle d'une jouissance opaque du symptôme. Lo que habla de un goce opaco del síntoma. Et je crois que là-dessus, Lacan est parfaitement clair. Creo que sobre esto Lacan es perfectamente claro. Lors d'une de ses allocutions à l'étranger. En el momento de una de sus presentaciones en el extranjero.
Je crois que c'est en Italie. Il explique à une journaliste ce qu'est la psychanalyse. Creo que fue en Italia que le explicaba a un periodista lo que era el psicoanálisis. Il leur explique que les gens souffrent, ils ont des symptômes parce qu'ils n'y comprennent rien. Les explica que la gente sufre porque tiene síntomas y no entienden nada. Ils n'y comprennent rien, c'est angoissant en plus. No entienden nada y es angustiante encima. Et que la psychanalyste, avec quelques interprétations, y que el psicoanalista con algunas interpretaciones est très optimiste, es muy optimista. Doit permettre à ses patients qui souffrent, à ses analysants qui souffrent, debe permitir a sus pacientes, a sus analizantes que sufren. Ce qui se passe? Je crois qu'on a, oui, un peu de retard. Mais là, je pense que c'est bon en ce moment. Doit permettre à l'analysant de comprendre. Debe permitirle al analizante de entender, de comprender. Que ce dont il souffre. Que de lo que él sufre. N'a aucun sens. N'a no aucun tiene ningún sens. Sentido. No tiene ningún n'est accroché à rien. Accroché à rien. Está amarrado, engarzado a nada. A la nada. María Dolores Camós tiene la palabra. Là, je pense être qu'on... Ahora, sí, buenas tardes desde Barcelona. Y muchas gracias. Creo ¿se que oye? Todavía, sí, se oye bien, pero creo que tenemos problemas de conexión con Dominique Nava. ¿Qué hacemos, Beatriz? No tienes el micrófono ahora. Se salió Dominique. Esperemos entonces que pueda volver a entrar para seguir con las preguntas. Pero yo creo que él estaba intentando contestar algo de ser post-joycial. Sí. Ah, ¿todavía? Sí. Ah, sí. Bueno, entonces esperemos, bueno. María Dolores. Un momento. María Dolores un poquito después. Sí, sí. Ningún problema. Voilà. Ça va mieux? Oui. Ah. Désolée, vous étiez en train de dire quelque chose sur être post-joycien, il me semble, avant que oui, la communication se coupe. Être post-joycien, ce n'est pas cultiver l'énigme. Ser post-joycien no es cultivar el enigma. Mm. Mais déchiffrer par rapport au sens, et Lacan le dit bien, passer par le cerveau. Bueno, si no de, descifrar el enigma, bueno, lo siento, me he perdido un poco y se ha vuelto a ir la comunicación. Diana. Dominique, on a perdu la comunicación. Le digo, Beatriz. Que si tiene algún otro programa abierto, lo cierren. Dominique, si Dominique Marin, pardon, si vous m'entendez, si vous avez un autre programme ouvert en ce moment sur votre ordi, si vous pouvez le fermer, peut-être ça ira mieux. Oui. Euh,
Votre micro n'est pas allumé, il me semble. Ça y est, je me suis connecté à la 4G, peut-être que c'est mieux. Oui, on pourra essayer en tout cas. Aïe. Donc, ce que j'essayais de dire, c'est que dans son texte, Lacan... Lo que intentaba decir es que en su texto Lacan... dit bien se faire la dupe du père, pour l'analyste. ¿Cómo era ese término en español? Hacerse la dupe. Incauto. Hacerse incauto del padre. Muy bien. Ça veut dire user du sujet supposé savoir jusqu'au bout, jusqu'à l'épure. Quiere decir utilizar el sujeto supuesto saber hasta el final. Parce que les symptômes prennent un sens dans l'histoire, le roman individuel du névrosé. Porque los síntomas toman un lugar en la novela del neurótico, en la novela familiar del neurótico. Mais poussé par l'analyse à son trognon irréductible. Pero empujado por el análisis hasta su punto irreductible. Le symptôme se réduit. El síntoma se reduce. À quelque chose, comme dit Lacan, qui ne s'accroche à rien, à plus rien, à aucune histoire. A algo que ya no se une a nada, a ninguna historia. Et ça ne fait plus énigme pour le sujet. Il sait que c'est ça, que c'est lui. Y ya no le hace enigma al sujeto, sabe que es eso, es él. Alors que Joyce, c'est cultiver l'énigme. Mientras que con Joyce es cultivar el enigma. Bueno, ahora sí, María Dolores. On va donner la parole a María Dolores. Buenas tardes, decía, desde Barcelona. Y muchas gracias a Dominique Marent por su trabajo, un tema que me interesa muchísimo. Bonjour de Barcelone, merci à Dominique Marent pour son travail, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Sí, la pregunta es sobre la cuestión del goce opaco y cómo desvalorizarlo al final de la cura. La question porte sur la jouissance opaque et comment la dévaloriser à la fin de la cure. Voilà, précisément pour le final de l'analyse. Précisément pour la fin de l'analyse. Parce que me parece. Parce qu'il me semble que. Normalement, hace tiempo que hablamos mucho. Il y a longtemps que l'on parle sur sobre la question del objeto, la question de l'objet, de l'objet, y no tanto del síntoma, et pas aussi tant que ça du symptôme, pardon. Cuando me parece que justamente para el final de la cura, mais il me semble que justement pour la fin de la cure. Se trata de la cuestión de saber hacer con el goce opaco. Il s'agit de savoir y faire avec la jouissance opaque. Y otra cosa que me interesa mucho. Chose qui m'intéresse beaucoup. Porque he trabajado un poquito. Parce que j'ai travaillé sur ça un petit peu. Que es sobre la cuestión de Beckett. C'est sur la question de Beckett. Que usted ha trabajado. Que vous avez travaillé. Es la diferencia justamente entre. C'est la différence entre. Lo que plantea la obra de Beckett, de Esperando a Godot. Ce qui se trouve dans l'œuvre de Beckett. Je me souviens plus du titre. En attendant Godot. En attendant Godot. Oui, et la psychanalyse. Parce qu'il y a un grand auteur théâtral espagnol.
parce qu'il y a un grand auteur d'œuvres de théâtre espagnol qui dit que si Godot hubiera, si Godot, oui, hubiera assistido al encuentro, il avait assisté à la rencontre con Vladimir y Estragón, avec Vladimir et Estragón, el teatro contemporáneo, le théâtre contemporain, no sería como ha sido después. Ne serait pas comme c'est devenu avant, après, comme c'est devenu après, pardon. Porque hay inscrito una ausencia. Parce qu'il y a une inscription d'une absence, d'un mort. En cambio, para el psicoanálisis, mais pour la psychanalyse, se trata de llegar a este, de poder llegar un poquito a este hueco. Il s'agit d'atteindre un petit peu ce qui serait ce trou. Bueno, me parece una diferencia entre la literatura y el psicoanálisis. No sé qué piensa usted. C'est ce qui me semble une différence entre la littérature et la psychanalyse. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas si j'ai bien tout compris, mais vous avez évoqué... No sé si entendí todo lo que usted evocó. Mais vous avez évoqué un auteur qui imagine que Godot, le personnage Godot, Vladimir Estragon, assiste à la pièce. Non, il se demande, l'auteur, il se demande si, qu'est-ce qu'il y aurait passé si Godot, oui, il rencontre Vladimir y Estragón. Ah. ¿Qué hubiese pasado si Godot encontrara a Vladimir y a Estragón? Él dice, le théâtre contemporain ne serait pas le même. Oui, oui, oui. Et alors je me dis, bon, depuis la psychanalyse, il s'agit d'arriver, d'y aller vers l'absence. Mm-hmm. Non? On ne peut pas la trouver du tout, mais il faut y aller dans cette absence. C'est ça que je vois, la différence entre la psychanalyse et la littérature, dans l'œuvre de Beckett. Oui, 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 oui. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Si, 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 mais je crois que je suis d'accord avec vous. Creo que estoy de acuerdo con usted. María Dolores acaba de volver a retomar varios puntos de su pregunta. Oui. Mais ce que je peux dire de cette pièce de Beckett. Lo que puedo decir de esta obra de Beckett. C'est que elle fait partie de ses œuvres énigmatiques. Es que hace parte de sus obras enigmáticas. Parce que justement, comme le disait Lacan, comme le disait avant lui Freud à propos d'Hamlet. Porque justamente como lo decía Lacan y como lo decía antes de él Freud sobre Hamlet. Mais surtout Lacan. Pero sobre todo Lacan. Ce qui est fascinant dans l'œuvre. Lo que es fascinante en la obra. Dans l'œuvre d'Hamlet, c'est que c'est un lieu de projection du désir de chacun. Lo que es fascinante en la obra de Hamlet es que es un lugar de proyección del deseo de cada uno. En todo caso, es lo que dice Lacan. Y la fascinación, elle est exercée à ce niveau-là. Y la fascinación se ejercía aparecía en ese nivel. Y en attendant Godot, j'ai envie de dire, c'est la même chose poussée à l'extrême. Y esperando a Godot, me dan ganas de decir que es la misma cosa, pero llevado al extremo. Même Lacan s'y laissait prendre. Incluso a Lacan le parecía así. Il se demande durant son séminaire, mais pourquoi diantre Beckett
n'a pas appelé Godot de son vrai nom. Y se preguntaba en su seminario por qué Beckett no llamó a Godot por su propio nombre, por su nombre propio. L'être suprême. El ser supremo. Piège au désir. Voilà. Joyce, la trampa del deseo. Et effectivement, ça a un rapport avec le dispositif analytique. Effectivement, tiene una relación con el dispositivo analítico. Dispositif analytique, la stratégie analysante, c'est quand même d'essayer d'esquiver la cure en essayant de faire que l'analyste réponde. La stratégie de l'analysante es esquivar la cura tratando de que l'analista responda. Alors que Joyce, c'est autre chose qu'il propose. En cambio, Joyce es otra cosa lo que él propone. Il propose à chacun le propone d'aller, a cada uno de ir d'aller retrouver ce qu'il a caché dans le texte. Quelle langue? De ir a buscar lo que él escondió en el texto, que es la lengua. Et ensuite, sur la question de la dévalorisation de la jouissance par l'interprétation. Y sobre la cuestión de la desvalorización del goce por la interpretación. Lacan a donné dans sa pratique, pour ceux qui l'ont connu. Lacan dio en su práctica los que la conocieron. Et des indications dans son séminaire pour ceux qui l'ont suivi et qui le lisent. Y también indicaciones en su seminario para los que lo pudieron seguir y los que lo leen. Faire entendre autrement ce que dit l'analysant, de travers. J'aime beaucoup ça. Es que hay que escuchar de otra manera lo que dice el analizante, como de lado. No sé si de travers hay otra traducción mejor, como más justa, como al lado, de lado. Al lado. Dominique, Mónica Palacio tiene una pregunta. Mónica Palacio hay una cuestión. Gracias, Dominique. Muy interesante. Merci beaucoup, Dominique. Très intéressant. Yo tengo una pregunta sobre lo que trajo de Marguerite Duras. J'ai une question sur ce que vous avez commenté de Marguerite Duras. Porque me parece que es contrario a la tesis final sobre Joyce. Parce qu'il me semble que c'est le contraire de la thèse finale de Joyce, sur Joyce. En el texto que citó, trajo el apartado de Lacan. Dans le texte que vous avez, dont vous avez fait la citation, vous avez amené la partie de Lacan. Que la práctica de la letra converja con el uso del inconsciente es lo único de lo que daré testimonio al rendirle homenaje. Je l'ai ici en français, Diana. Merci. Que la pratique de la lettre converge avec l'usage de l'inconscient et tout ce dont je témoignerai en lui rendant hommage. Esto me parece contrario a la Cela thèse. Cela me semble contraire à la thèse. Sobre ser post-joyciano. Inclusive en su conferencia lo dijo de esta manera. Cela me semble être le contraire de ce que vous avez dit sur être post-joycien. A propósito de la interpretación, al final de la conferencia dice que a propósito de la interpretación. A la fin de la conférence, vous dites que sur l'interprétation. Dice que tendría objetivo conmover el inconsciente real. Ça a comme objectif, on vise. Tu as le terme en français, conmover? Émuer? L'inconscient réel? Ricardo, lo tiene? Le texte de Dominique en français? Attendez, je vais.
vérifier émouvoir. Émouvoir. Ok, d'accord. Merci. Émouvoir l'inconscient réel. Pardon. Entonces, me pregunto si lo que dice Lacan antes de Wedekind y antes de Joyce. Je me demande si ce que dit Lacan sur Wedekind et sur Joyce. Lo que dice antes. Ce qu'il dit avant, pardon. Antígona, Margarit Duras. Se puede poner en cuestión, porque lo que me interesa es esto que él decía, la práctica de la letra que concierne al inconsciente. Si on peut se questionner sur cela, parce que ce qui m'intéresse, c'est... tu peux répéter la dernière partie, Monica? Lo que dice sobre Margarit Duras, que la práctica de la letra... Oui, la pratique de la lettre, pardon Monica. Vous l'avez saisi, hein, Dominique Marin, je suis désolée. Oui. Que la pratique de la lettre converge avec l'usage de l'inconscient. Mais je crois que là, on est dans l'inconscient structuré comme un langage, en fait. Quand il parle de Margarit Duras, par exemple. Mais je me demande donc, avec la fin, avec ce qu'il dit, avec Wedekind, avec Joyce, si c'est... une contradiction ou si c'est ou perd un peu la valeur de ce qu'il a dit auparavant à propos de la littérature. Talvez no me logro hacer pasar la pregunta, lo que pasa es que me pregunto si pierde valor lo que Lacan había dicho antes sobre la literatura y el hombre de letras que converge con el inconsciente, pero estaríamos del lado de un inconsciente estructurado como un lenguaje, mientras que con Wedekind y Joyce pareciera que él se dirige pues al inconsciente real. Entonces me pregunto si lo que dijo antes pierde algo de valor o cómo entendemos esto del hombre de letras y la convergencia con el uso del inconsciente. Esa es pues como la pregunta. Je ne sais pas si vous avez tout compris, Dominique. Tout compris. Mais répondre, plus difficile. Entendí todo, pero contestar es un poco más difícil. Mais c'est ce que je vais aborder dans la deuxième partie. Pero es lo que voy a abordar en la segunda parte. Exactement ça. Exactement justamente ça. Eso. Mais là, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous avons deux conceptions de l'inconscient qui s'opposent. Lo que puedo decir es que tenemos dos conceptos del inconsciente que se oponen. L'inconscient structuré comme un langage. El inconsciente estructurado como un lenguaje. C'est pour Freud... ou chez Freud pour nous. Es Freud o Freud para nosotros. Freud para nosotros. La mise en tension d'Édipe Roy et d'Hamlet. La puesta en tensión de Edipo Rey y Hamlet. Freud est structuraliste. Ça a la même structure. Freud es estructuralista, tiene la misma estructura. J'ai presque envie de dire, on s'en fiche du sujet, des personnages, c'est la structure de la pièce qui compte. C'est pareil. Casi quedan ganas de decir que no nos importa el personaje, la estructura es la misma. Et donc, effectivement, on voit que l'interprétation fonctionne. La suite de l'enseignement de Lacan n'invalide pas ce qu'il a dit sur Hamlet. Y vemos que lo que dice de la interpretación funciona. Lo que sigue en la enseñanza de Lacan no invalida lo que dijo de Hamlet. Donc, je crois que il ne faut pas opposer Lacan de Joyce et Wedekind avec no hay que poner el Lacan de Joyce y Wedekind con el Lacan de... Et le Lacan de, du début, du milieu de son enseignement. Del principio y de la mitad de su enseñanza. Ça se complète. Se completa. Mais il y a une contradiction, je suis d'accord avec vous. Pero hay una contradicción, estoy de acuerdo con usted. C'est ce que je vais essayer de travailler tout à l'heure. Es lo que intentaré de trabajar ahora. Et Godot, en attendant Godot. Y Godot, esperando a Godot.
et être post-joycien, comme le propose Lacan, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Esperando a Godot y ser post-joyciano, para mí es la misma cosa. Et donc, je me rallie à la thèse de Michel Bousséroux. Me uno a la tesis de Michel Bousséroux. Qu'être post-joycien. Et ser post-joyciano. C'est être becketien. Et ser becketiano. Voilà, j'aurais voulu l'inventer, celle-là. Me hubiera gustado inventarme esa. Mais vous allez le répéter après que c'est... j'ai piqué cette thèse alors que Michel Bousséroux l'a déjà écrite. Pero luego van a decir que yo les dije esta tesis mientras que ya pues la había escrito Michel Bousséroux. Voy a aprovechar que no veo manos levantadas. J'en profite qu'il n'y a pas d'autres mains levées. Para hacer una pregunta sobre los acercamientos. Pour faire une question sur les rapprochements. De muchos lacanianos. De beaucoup de lacaniens. Al seminario 23. Au séminaire 23. Deduciendo un cierto psicoanálisis aplicado. Ils déduisent une certaine psychanalyse appliquée. Y situando a Joyce como un psicótico. Et en situant à Joyce comme psychotique. Yo creo que sería un contrasentido. Je pense que ça serait un contresens. Si pensamos según su conferencia, si l'on pense selon votre conférence, que Lacan en ese momento, que Lacan à ce moment-là, no le interesa, s'intéressait pas ese asunto del psicoanálisis aplicado, ce sujet de la psychanalyse appliquée. ¿Qué piensa usted de esto? Qu'en pensez-vous sur ça? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Béatrice. Estoy completamente de acuerdo contigo, Beatrice. Beaucoup se servent de l'exemple de Lacan avec Joyce. Muchos se sirven del ejemplo de Lacan con Joyce. Pour lire Joyce comme un cas de psychose. Para leer a Joyce como un caso de psicosis. Et du coup, se servir de la lecture de Lacan. Y entonces servirse de la lectura de Lacan. Comme une lecture de psychanalyse appliquée. Como una lectura de psicoanálisis aplicado. Et c'est vrai qu'il donne beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Y es verdad que él da muchos elementos que van en ese sentido, en esa vía. Je vais en parler tout à l'heure. Voy a hablar de eso también ahorita. Mais quand on suit de près le séminaire de Lacan. Pero cuando seguimos muy de cerca el seminario de Lacan. Et quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à lire ce séminaire, c'est Colette Soler. Y alguien que me ayudó mucho, mucho a leer ese seminario fue Colette Soler. On a quand même l'idée que Lacan nous parle au-delà de l'opposition psychose-névrose. Tenemos la idea de que Lacan nos habla de más allá de esta oposición entre neurosis y psicosis. Et que peut-être aujourd'hui nous sommes encore empêtrés avec cette notion qui ne nous permet pas de voir plus loin. Et que tal vez hoy en día seguimos encartados con esta noción que no nos deja ver más lejos. Et je dois dire que dans ma clinique, c'est quelque chose que je rencontre. Y debo decir que mi clínica es algo que, con lo que yo me encuentro. Donc, si je le rencontre en Narbonne, au bout du monde, si lo encuentro en Narbona o al otro extremo del mundo, alors vous le rencontrez sûrement tous les jours aussi. Entonces, seguramente ustedes también se lo encuentran todos los días también. Des sujets qui se sont constitués sans l'appui ou la fonction nomination paternelle. Sujetos que se construyeron sin el apoyo de una nominación paternal, paterna.
mais qui ont trouvé un support malgré pero, tout. Pero que a pesar de eso encontraron un soporte. Un support symptomatique hein, qui vient du symptôme. Un soporte symptomatique qui proviene del symptôme. Du symptôme avec le H ou sans le H? Oui. Le H. Le H, que proviene del symptôme. De un soporte symptomatique qui proviene del symptôme con H. Il y a tellement aujourd'hui d'enfants qui naissent dans des structures familiales particulières. Hay muchos niños que nacen en una estructura familiar particular. Que si la grande répartition psychose, névrose autour du nom du père était encore notre seul appui. Et si la répartition entre neurosis, psicosis siguiera siendo nuestro único apoyo. Notre appui par rapport au nom du père. Nuestro apoyo con respecto al nombre del padre. On ne devrait rencontrer que des psychotiques. Beaucoup de psychotiques. Nos encontraríamos solamente con psicóticos, muchos psicóticos. Mm-hmm. Et la clinique nous apprend que non. Y la clínica nos enseña que no. Dominique, tenemos una pregunta, una última pregunta en el chat. On a une dernière question sur les messages. Dice, una cuestión del enigma y el lugar del complejo de Édipo. Une question sur l'énigme et la place du complexe d'Édipe. Me hace pensar en el mismo mito de Édipo. Me fait penser au même à ce mythe de l'Édipe. En la cual por un castigo divino, dans lequel à cause d'une punition divine, había impuesto a la ciudad de Tebas un monstruo, la Esfinge. L'Esfinx avait imposé à la ville de Thèbes un monstre. Y planteaba un enigma a todos los que pasaban. Elle faisait un sphinx, pardon. Et puis cette sphinx posait un énigme à tous ceux qui passaient. Édipe résolve la pregunta de la esfinge. Édipe va répondre la question de la sphinx. Résolve l'énigme mortal. Il résout l'énigme mortel. Lo que no desanuda todos los problemas para Édipo. Ce qui ne dénoue pas tous les problèmes pour Édipe. Oui, les énigmes, on adore ça. Je l'ai dit, on adore ça, les énigmes. C'est pour ça que nous lisons des policiers, que nous allons au cinéma, que nous lisons des histoires. Nos encantan los enigmas. Es por eso que leemos series de detectives, que vemos películas, todo lo que se teje alrededor del enigma. Je sais pas répondre mieux que ça. Je suis désolée. No sé cómo contestar mejor que eso. Lo siento. Quand même une analyse se termine quand l'énigme de son existence n'est plus vraiment une énigme, mais ça ne veut pas dire qu'elle est résolue. L'analyse s'extermine, vous avez dit? Non, se termine. Se termine, pardon. L'analyse se termine quand ya no hay enigma, quand il n'y a plus d'énigme. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une réponse. Pero no quiere decir que haya una respuesta. Pas forcément. No necesariamente. Bueno, no veo ninguna otra mano levantada. Pues si hay tiempo, yo quisiera hacer otra pregunta. Sí se puede. Bueno, Mónica, claro, sí. ¿Sí? C'est très court, Dominique. Lacan, il a dit, je ne suis pas poète, sinon un poème.
Et pour moi, c'est toujours énigmatique, cette phrase. Donc, je l'amène à propos de ce que vous avez dit par rapport à l'interprétation et voilà, hors sens peut-être. Mais je voulais aussi, c'est peut-être une question naïve, elle le dit à propos de François Cheng. Donc, je me demande si c'est la poétique chinoise qui nous fait comprendre un peu ce que veut dire Lacan ou n'importe quelle poésie. La pregunta mía es sobre la frase de Lacan que dice que no soy poeta sino poema, que a mí me resulta siempre muy enigmática. Y una pregunta un poco ingenua que no me sé responder, y es que Lacan propone lo de la poesía cuando habla de François, cuando tiene pues el trabajo con François Cheng. Y entonces me pregunto si es la poética china la que produce lo que dice Lacan o es cualquier poética. Esto es muy ingenuo, pero me hace mucha pregunta siempre. ¿Tú me habéis compris? Oui. Oui. Je crois que là, une possibilité de réponse. Creo que una posibilidad de respuesta a son énigmatique. Je suis poème, mais pas poète. A su frase enigmática, soy poema, pero no poeta. C'est que le poète, c'est un sujet. Es que el poeta es un sujeto. Effet du sujet, effet du signifiant, du renvoi de signifiant. Efecto del significante, a lo que remite el significante. Alors que poème, c'est ce qui s'écrit. Mientras que el poema es lo que se escribe. Et qui fait rupture avec la chaîne. Y que hace ruptura con la cadena. J'ai envie de dire avec la chaîne du sujet, de son histoire. Con la cadena del sujeto, con su historia. Alors bien sûr, pour faire rupture avec la phrase qui a été commencée avant sa naissance. Entonces, para hacer ruptura con la frase que fue comenzada antes de su nacimiento. Par les parents, les aïeux. Por sus padres, los allegados. Il faut l'avoir reconnu. Hay que haberla reconocido. Pour s'en déprendre. Para soltarla. Et là, peut-être qu'on a référence à ce qui concerne la jouissance en propre du sujet. Y ahí tenemos tal vez algo de lo que concierne al goce en propre, vous avez dit. Oui, particulier, singulier au sujet. Mm-hmm. Singular, particular del sujeto. Un goce singular, particular del sujeto. Ne concerne plus l'autre, le grand autre. Que ya no concierne al gran otro. Et moi, j'ai envie de vous répondre par quelque chose qui me semble aussi énigmatique. Y ya no encuentro como más contestar algo que me parece tan enigmático. Quand Lacan s'arrache les cheveux en disant. Cuando Lacan se arranca los cabellos diciendo. Mais pourquoi j'ai dit que le signifiant faisait chaîne? Pero ¿y por qué dije que el significante hacía cadena? Pourquoi j'ai dit ça pendant si longtemps? ¿Por qué dije esto durante tanto tiempo? Alors qu'il ne fait pas chaîne. Mais c'est vers la fin de son enseignement qu'il peut changer. Porque no hace cadena y es solamente al final de su enseñanza que cambia. Si me permiten, yo creo que el poema en este caso lo entiendo como hay palabras que están inscritas en el cuerpo. Le poème en ce cas, c'est des mots qui sont inscrits dans le corps, sur le corps. Bon, sur le corps. Il y avait un poète catalan qui le disait il y a beaucoup de temps. Había un poeta catalán que decía esto hace mucho tiempo. He querido ser poeta, pero soy poema al final. Je voulais être
poème, mais je suis... Non, quería ser poeta, pero soy poema, es lo que dijo. Je voulais être poète, mais je suis poème, enfin. Oui. Je crois que je suis poème, oui. Dolores, Lacan copió a este poeta, entonces. Est-ce que Lacan a repris ce que ce poète disait? Non. Hay varios poetas que yo creo que en este caso, a ver, se han avanzado al psicoanálisis. Il y a plusieurs poètes qui étaient vraiment avancés, même avant la psychanalyse. Ils avaient parcouru plus. Mm-hmm. Ils étaient en avance. Peut-être on va en parler après, quand j'aimerais écouter Dominique. La prochaine. Tal vez hablaremos de esto después en la siguiente conferencia. Bueno, Dominique, nuevamente, muchas gracias. Vamos a hacer un receso.